Attendre cette webinaire aujourd'hui avec la Poste Sénégal. On a le plaisir d'avoir la présence de M. Musa. Je vais, s'il vous plaît, mute. Ok. Je vais recommencer. Et s'il vous plaît, si vous pouvez. Tentez votre mic quand vous ne parlez pas. Donc, merci tout le monde pour entendre cet webinaire aujourd'hui de la Poste Sénégal. On a la présence de M. Musa, responsable de la sécurité informatique à Poste Sénégal. M. Nassan Diane, chef de direction d'informatique. M. Keva, chef de service de développement. Et logiciel de la Poste Sénégal. Et aujourd'hui, il va parler sur l'utilisation, surtout des domaines sn.post, sur l'installation et l'utilisation sur la messagerie, sur l'intranet et la prochaine utilisation sur la boutique en ligne et les avantages de l'utilisation des domaines.post. Comme vous savez, les points pros, un des buts principaux, c'est la sécurité et l'utilisation des DNSSEC et des autres policies comme des DMARC, des SPF, des KIM. Et le Sénégal a implémenté toutes ces technologies et a profité d'une meilleure sécurité grâce à l'assistance du Centre de technologie postale. Ensemble avec la Poste Sénégal. Et aussi, c'est important de dire que maintenant, dans tout le monde, seulement 30% des sites web utilisent la technologie DNSSEC. Dans l'Afrique, 25%. Et au Sénégal, 6% seulement. Donc, avec ces chiffres, vous pouvez vérifier et avoir une. Niveau additionnel de sécurité sur Internet grâce à l'utilisation des DNSSEC et des autres polices implémentées sur les sn.post. Donc, je vais donner la parole à M. Keva ou M. Musa pour commencer et donner plus de détails sur l'implémentation des sn.post. Merci. Et bonjour à toutes et à tous. Mon nom, comme vous l'avez dit, c'est Musa Tien qui va vous faire la première présentation. Je suis le responsable de la sécurité informatique au niveau du groupe La Poste. Donc, nous allons aborder la réalisation de la sécurité sous trois aspects. D'abord, nous allons parler de la mise en place du DNSSEC. Ensuite, nous avons parlé de la mise en place du protocole TLS et tout ce qui concerne donc la mise en place des certificats dans le domaine SN.post. Donc, les certificats qu'on a eu à déployer dans la messagerie, dans l'intranet, la boutique en ligne, dans le gestionnaire de projet. Donc, tous ces services-là seront abordés ultérieurement par mes collègues. Et également, donc, pour finir, nous allons aborder le troisième point qui concerne la mise en place de l'antivirus. Donc dans notre messagerie, dans le serveur de messagerie. Donc pour contrer tout ce qui est les phishing, les spams, voilà, les ransomware, autres quoi. On peut passer au slide suivant. Ok, d'accord. Donc c'est moi qui contrôle. Donc, une minute, on va passer au slide suivant. C'est vous qui contrôlez la présentation. D'accord.
que ça marche. Donc, une minute. Si ça ne marche pas, vous pouvez relancer et partager de nouveau la présentation. Si c'était connecté. D'accord. Monsieur Alassane, on ne verra pas la présentation encore. Voilà, donc je le partage. Oui. Maintenant, oui. Voilà. Seulement, oui, cliquez dans l'icône. C'est bon? Exactement. Oui, maintenant okay. C'est bon. Voilà, merci. Allez-y, passe. Ok. Donc, on s'excuse de l'interruption. Hein, c'est. Donc, on s'excuse de l'interruption. Donc, ici, on va continuer notre le point relatif à la sécurité. Donc, en passant au deuxième slide, nous avons donc parlé, donc c'est quoi le DNS? Le DNS, c'est juste des extensions de sécurité qui ont été ajoutées au protocole DNS. Donc, avec pour objectif, c'est de renforcer la sécurité des ressources, donc de renforcer les informations DNS qui transitent sur le net. Donc, ce que fait DNS, plus exactement, ça permet au titulaire de nom de domaine donc de signer numériquement les informations qu'il s'échange à travers l'Internet. Donc, il s'agit d'un moyen de protéger les utilisateurs en évitant qu'ils reçoivent des données qui sont soit corrompues de manière accidentelle ou pas. Donc, nous allons ici voir l'évolution du DNS. Il y a eu d'abord deux principales étapes, les années 80, donc où nous avons l'utilisation du DNS qui n'était pas du tout sécurisé. Donc, ce qui se passait, c'est que les personnes malveillantes pouvaient compromettre les messages DNS et faire des redirections sur Internet, donc au lieu de les délivrer à leur destinataire. Ensuite, nous avons eu la deuxième étape, les années 90, où la communauté DNS a noté effectivement ces problèmes de sécurité. Et donc, ils ont senti la nécessité de mettre en place des extensions DNS. Donc, ça, c'est pour assurer un peu l'authentification, également à l'aide de signatures numériques basées sur la cryptographie à clé publique. Donc, comment mettre en œuvre le DNS? Donc, des deux côtés, on a d'abord... Donc, du côté client ou bien du côté, on a du côté réception, un côté où nous avons la réception et de l'autre côté où nous avons la destination du message. Donc, ce qui se passe au niveau des deux entrées, celui qui doit recevoir ou bien celui qui doit émettre, il faut qu'il... donc, c'est les titulaires de nom, ils sont responsables de la publication des informations sur le DNS. Ils doivent s'assurer en fait que les données échangées sont signées publiquement. Donc les deux entités, que ce soit les deux serveurs qui vont s'échanger les données, doivent s'assurer que les données sont signées numériquement. Mais également, il y a aussi l'intervention des opérateurs qu'ils doivent activer. Donc au niveau de leur résolveur, voilà, ils doivent activer le protocole DNSSEC. Donc qu'est-ce qu'on peut gagner en mettant en place les extensions de sécurité DNSSEC?
D'abord, il y a une protection donc, des utilisateurs au niveau de l'Internet, puisque les messages DNS, les informations DNS envoyées sont chiffrées. Également, les informations des utilisateurs finaux sont également signées numériquement. Et ça assure en fait une protection aussi des organisations, donc des entreprises et des gouvernements. Excusez-moi, ici, donc, je pense qu'il manque des éléments. Mais bon, on a aussi de l'autre côté, il y a la réduction des vulnérabilités dues aux attaques. Parce que nous avons noté que le protocole DNS étant très vulnérable aux attaques. Donc, l'ajout d'une couche supplémentaire de sécurité permet de limiter ces attaques. Également, ça permet de promouvoir l'innovation, puisque en fait, les données qui transitent sur le net, les données étant plus ou moins sécurisées, les données étant signées numériquement, donc ça permet de faire des transactions sûres et viables et également de promouvoir l'innovation. Donc, comment cela fonctionne? Ici, nous avons donc un schéma qui récapitule en fait le principe d'échange de messages DNS, quoi. Donc, ici, nous avons à gauche, nous avons ce qu'on appelle un résolveur. Ici, à droite, nous avons par exemple notre serveur, donc qui est dans le domaine sn.post. Donc, par exemple, ici, une première requête peut être consistée à dire qu'il y a, par exemple, l'enregistrement de mail.sn.post. Et ici, donc, le serveur qui est dans le domaine sn.post va répondre. Il va dire, ah, la réponse, oui, c'est moi. Moi, le serveur qui gère le domaine sn.post, j'ai, en fait, l'enregistrement et également j'ai les signatures de sécurité qui correspondent. Donc, il y aura un troisième message qui va quitter donc, le résolveur, qui va demander maintenant qui a la clé publique de sn.post. Puisque n'oublions pas que les données ici sont signées. Donc, il lui faut la clé publique pour pouvoir déchiffrer ces données. Et donc, effectivement, toujours le même serveur, il va dire, là, c'est le résolveur qui va demander, c'est le résolveur qui va demander celui qui a la clé publique pour déchiffrer les données qui viennent de sn.post. Donc, pour pouvoir, en fait, lire les messages quoi, qui viennent de mail.sn.post. Et également, là, c'est le même serveur qui va envoyer la clé publique et également les signatures de sécurité qui correspondent à cette clé publique-là. Donc, l'échange va continuer ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va quitter le sn.post, en fait, pour arriver au domaine.post. Et le principe sera le même. Ici, donc, c'est un serveur qui est logé dans le domaine.post qui va aussi faire la même transaction avec le résolveur. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui authentifie le domaine.post? C'est un serveur root, quoi. Donc, c'est un serveur root qui est ici, au niveau à droite, qui correspond au dernier serveur, donc en descendant vers le bas. Donc, ça, c'est le serveur. Ici, donc, c'est une petite coquille. Donc, ici, au lieu d'avoir le domaine.post, c'est un serveur root. Donc, les serveurs root, nous en avons 13. Voilà. Bien vrai que le .post, c'est un domaine de premier niveau, mais c'est un .post qui est, lui, il doit être résolu par un root, donc un serveur root. Donc, voilà principalement un schéma qui récapitule, plutôt bon, une image qui va récapituler donc comment les informations DNS sont envoyées et comment ces informations sont déchiffrées quoi, par les entités de part et d'autre. Maintenant, on va donc voir le deuxième point qui consiste donc la mise en place du protocole TLS, donc qui est une couche de sécurité qui permet la transaction donc au niveau des flux réseau, et donc une transaction sécurisée. C'est un modèle qui est basé. Ce modèle est basé sur la relation client-serveur. Le principe c'est que les données sont encapsulées pour assurer donc la fameuse triade, c'est-à-dire la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Et dans ce cas, on peut également empêcher le rejet donc de données avec des fonctionnalités, effectivement des fonctionnalités d'authentification donc du client. Donc là aussi, on peut noter quand même des évolutions majeures du TLS. Donc au début, avant ça, quand même, on peut souligner qu'il y avait le SSL. Donc aujourd'hui, on est au SSL à la version 3. Mais il faut comprendre que le SSL, quand même, progressivement, est remplacé par le TLS. Et concernant le TLS, on est passé à la version donc 1.0, à la version 1.1, ensuite version 1.2, et aujourd'hui, on est à la version 1.3. D'ailleurs, au niveau des autres présentations, nous allons voir qu'il y a quelques différences au niveau des records. Donc, les messages que le client envoie au serveur pour l'authentification,
concernant le protocole TLS 1.2 et le TLS 1.3. Donc, il y aura quelques. En fait, au niveau du protocole TLS 1.3, l'échange entre le client et le serveur a été quand même fortement revu à la baisse, quoi. Donc, on est passé à un nombre moindre de records. Il faut aussi noter qu'aujourd'hui, quand même, si quelqu'un a la possibilité d'utiliser le TLS 1.3, c'est ce qui est, disons, souhaité, quoi. Donc, c'est ce qui est fortement recommandé. Mais à défaut, quand même, il faudra nécessairement basculer à la version TLS 1.2. Les autres versions, donc à savoir le TLS version 1.0, 1.1, étant plus ou moins vulnérables ou présentant en tout cas des défauts de sécurité. Il y a un schéma qui devait être là. Donc, ça parle en fait principalement de l'échange des messages entre donc, un client et un serveur. Donc, du point de vue TLS, quoi, comment l'échange va se faire. Donc, à travers les messages echo request, echo reply, etc. Donc, en fait, le schéma, je ne le vois pas. Mais dans mon slide, le schéma est bien présent. Voilà, et là, ça décrit les 10 principales étapes donc, au niveau des échanges. Donc, avec un client hello, un message type client hello, voilà. Donc, il va prendre en compte les suites cryptographiques. Voilà, le serveur va répondre avec un message serveur hello, etc. Avec l'envoi donc, de messages contenant le certificat, la clé publique et autres. Voilà, et les autres éléments de sécurité. Donc, en 4, c'est un autre type de message qui s'appelle un serveur key exchange. Donc, en utilisant la valeur publique Diffie-Hellman, voilà, qui associe la clé privée à une clé publique. Tout cela étant présent dans le certificat. Et ainsi, donc, la suite va continuer. Donc, ils vont s'envoyer donc, ces sortes de messages donc, juste à établir un canal sécurisé de communication. Et en fait, à partir de là, les applications vont pouvoir émettre des données donc, de manière sûre et fiable. Donc, tout ce procédé-là, c'est de mettre en place le TLS, donc le certificat et également les éléments de sécurité pour assurer un canal de sécurité sûr et fiable. Là aussi, c'est la même chose. Donc, la figure à sauter, mais bon, il y a une troisième figure. Et donc, en fait, la pertinence ici, c'est de comparer comment se passent les messages entre le client et le serveur du point de vue authentification entre donc, la version TLS 1.2 et 1.3. Et donc, ces deux figures auraient nous permettre de voir qu'au niveau, en tout cas, du protocole TLS 1.3, l'échange entre le client et le serveur pour l'authentification a été fortement revu à la baisse. Donc ici, au lieu d'avoir, par exemple, 10 messages ici, là, je pense qu'on en a moins. Bon, je ne peux pas m'amuser à dire qu'on en a 5 ou plus ou moins, mais on en a en tout cas beaucoup moins. Quoi. Au lieu d'avoir 10 messages, on en a moins. Bon, il y avait une figure, bon, je ne la retrouve pas. Là aussi, même chose. Donc là, on ne sait pas pourquoi ça saute. Mais ça, en fait, c'est juste un PC. De ce côté-là, à gauche, il y a un PC. Donc ici, entre les deux doubles flèches, nous avons en fait notre certificat qui a été émis pour le domaine SN.POS. Et à droite, nous avons notre serveur mail. Il y a un serveur mail, par exemple, c'est le serveur mail de la POS. Et ici, donc, on a voulu mettre en évidence le principe d'échange de canal sécurisé entre un PC qui sollicite donc une connexion au serveur mail pour l'échange ou bien l'envoi d'email. Donc, comment en fait le protocole de mise en place d'un canal sécurisé de communication va se passer. Donc, il y aura un certificat qui va être envoyé par le serveur, etc., avec la clé publique et tout. Et donc, il permet au client de pouvoir signer numériquement ces données. Bon, il y a une figure, je ne la retrouve pas aussi. Donc, c'est valable pour, en fait, au niveau du TLS et également à ce niveau-là. Je ne sais pas trop pourquoi ça. Je ne retrouve pas l'image qui illustre un peu ce procédé d'échange. Voilà, là aussi, c'est la même chose. Donc, j'ai le même problème. Bon. Donc, là, en fait, c'est la kill chain au niveau de la. Ça, c'est le troisième point, la mise en place de l'antivirus d'ASM. Donc, c'est le troisième point. C'est principalement la mise en place de l'antivirus au niveau de notre messagerie.
Donc ici, il y a une figure qui devait illustrer la kill chain, c'est-à-dire que c'est la méthodologie donc, qui décrit un peu comment va se passer le processus d'attaque quoi, ou bien le processus d'intrusion dans un système par un attaquant. Voilà. Donc au finish, en mettant en place ce KSM, donc l'antivirus, donc qu'est-ce qu'on a à gagner? On a gagné donc, on a pu identifier et filtrer les éléments suspects ou bien des éléments indésirables du courrier. Donc quand je dis courrier, c'est les emails quoi, au niveau de la passerelle. Donc là aussi, on peut détecter les attaques c'est dès le début de la chaîne. Également, nous avons un traitement rapide et précis, donc des emails illégitimes. Au niveau des emails illégitimes, nous avons les fameux business email compromise, donc qui sont bien, qui sont très courants au niveau des entreprises. Nous avons les fameux spam, voilà, les emails de phishing. Nous avons aussi les malwares, nous avons aussi les ransomware. Donc ici, c'est une petite coquille, au lieu de LAEC, LA, quoi, c'est les ransomware, donc c'est une petite coquille, hein. Mais également au niveau des BEC, donc aussi couramment appelés les accounts email compromise, donc aussi ça rentre dans la même catégorie. Quoi. En fait, tous ces emails qui sont indésirables sont bloqués à l'entrée de la passerelle. Mais également, nous avons des protections qui sont beaucoup plus évoluées, donc des emails dans la passerelle. C'est-à-dire qu'on peut on est capable de détecter du contenu malveillant ou bien indésirable, non seulement au niveau de la passerelle, mais également donc dans notre propre serveur de boîte aux lettres. C'est-à-dire que, par exemple, dans le serveur de messagerie. Donc là aussi, on est capable quand même de mettre des policies donc, qui nous permettent de renforcer davantage la sécurité pour l'accès aux boîtes, aux mails. Et enfin, donc, nous allons aborder en fait, trois autres paramètres donc, qui permettent de renforcer en tout cas la mise en place, qui permettent de renforcer la sécurité. Des messages, des emails qui sont échangés entre des entités. Donc, il s'agit principalement de SPF, de DKIM et de DMARC. Donc, ici, il faut juste noter pour mettre en place DMARC, quand même, il faudra mettre en place d'abord SPF et DKIM, donc obligatoirement avant de pouvoir implémenter DMARC. Donc, aussi, on peut les prendre comme étant des extensions de sécurité, donc pour avoir des emails fiables, voilà, authentifiés. Donc, le SPF, principalement, c'est le Sender Policy Framework. Donc, vous voyez qu'il y a toujours le nom, la notion de policy qui revient. Donc, c'est des règles quoi, en fait, qu'on met en place pour assurer un processus d'authentification, donc pour assurer aussi la conformité d'un email, pour indiquer qui est autorisé à émettre, donc à partir d'un domaine, quelle adresse IP est autorisée à émettre à partir d'un domaine, etc. Donc, ça aussi, c'est un enregistrement de type texte dans le DNS. On sait que dans le DNS, il y a plusieurs types d'enregistrements. Donc, on a les enregistrements de type A, voilà, le type MX, etc. Donc, ça, c'est un enregistrement de type texte. Et donc, la figure en bas, c'est un utilitaire qu'on a utilisé pour pouvoir tester l'effectivité de la mise en place de ce policy. Et donc, là, vous voyez que, voilà, donc, il nous précise que nous, on a mis en place le SPF version 1, voilà, avec l'adresse IP. Du serveur, donc avec MX qui correspond au nom du serveur de messagerie qui correspond. Et donc là, on voyait qu'on a deux serveurs de messagerie en fait. Il y a le mail.sn.post. Donc on a appliqué cette policy là-bas et il y a également le securemail.sn.post. Donc le deuxième paramètre qu'on a implémenté, toujours au niveau de la messagerie, c'est le DKIM, donc, qui s'appelle le Domain Keys Identified Mail. Là aussi, il permet de signer donc, de manière cryptographique les mails. Donc, ça fait quoi? Ça permet d'assurer qu'un message envoyé n'a pas subi d'altération, donc dans la phase de transmission. Quoi. C'est également le même type d'enregistrement que le SPF, c'est un enregistrement de type texte dans le DNS.
Et là aussi, on a pu utiliser donc un utilitaire qui nous permet de tester l'effectivité de la mise en place de DKIM. Voilà. Donc là, on voit DKIM, toujours la version 1. On voit le type de clé, c'est RSA. Et également, là, c'est la clé publique qui est associée au DKIM. Et enfin, donc, le DMARC, donc, il vient en amont quoi, de SPF et de DKIM. Donc, il faudra carrément mettre en place SPF et DKIM pour pouvoir mettre en place le DMARC. Donc, il y a le Domain Based Message Authentication, Reporting and Conformance. Il vient appuyer le principe de l'alignement. Voilà, donc ça permet d'agir sur le message, donc sur les messages où les protocoles SPF et DKIM ont échoué, en venant donc mettre en place des instructions aussi, des instructions supplémentaires. C'est également un enregistrement de type texte toujours dans le DNS. Voilà, donc là aussi en bas, même chose, ça c'est une utilitaire donc qui permet de vérifier est-ce que le DMARC est effectif ou pas. Donc, concernant le domaine SN.post, là, nous allons voir la version. On nous met bien la version DMARC 1. Quelle est la policy qu'on a adoptée? C'est la quarantaine. D'accord? Donc, quand il n'y a pas de conformité, nous, on a adopté la quarantaine. Voilà. Donc, ça, c'est le receveur. Donc, celui qui doit recevoir le mail. Il y a aussi, donc, celui qui doit recevoir le forensique, etc. Et également, il y a un report. Il y a un rapport forensique aussi. Voilà, pour voir donc, qui a fait quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous remercie de votre attention. Monsieur, avant de finir, est-ce que vous pouvez retourner dans le dernier slide? Oui, ici, il y a une question ici. Vous pouvez clarifier si vous savez déjà voir les résultats de l'implémentation de DKIM dans votre côté. Vous avez moins de spam maintenant grâce à cette policy ou vous êtes encore là, vous n'utilisez pas les endpoints en production aussi parce que la quarantaine c'est le premier pas et je crois qu'éventuellement vous allez changer à reject. Non, vous pouvez donner quelques commentaires sur ça? Bon, oui. En fait, ici, ce qu'on a noté, avant de mettre en place le DMARC, nous avions trop de spam. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on envoyait un mail, même ici à l'interne, donc le mail était directement redirigé vers les spams. Et donc ça, c'est après avoir en fait implémenté le DMARC qu'on a vu que maintenant que le mail suit son processus normal. C'est-à-dire que les mails qui doivent aller dans la boîte de réception, ils vont dans la boîte de réception. Maintenant, les mails qui ne respectent pas cette policy vont dans le spam. Mais au début, même les mails qui respectaient carrément donc les policies qu'on a mis en place allaient directement au niveau des spams. Okay. Donc, on a dû faire ça pour voir effectivement qu'il y a une amélioration. Parfait. Maintenant, au niveau de la politique reject, bon, on en a beaucoup discuté, mais nous, on a vu qu'il était plus ou moins bon, soft, quoi, de, voilà, soft entre parenthèses, de mettre ça en quarantaine, bon, en attendant peut-être d'évoluer au niveau de la règle, est-ce qu'on doit adopter quarantaine ou reject? Mais nous, on a choisi carrément quarantaine pour des soucis d'opérabilité. Très bien. Et je peux dire aussi, ajouter que maintenant, sur tout le monde, seulement 14% de sites web des serveurs d'email à implémenter les DMARC. Donc, vous êtes maintenant dans cette 14%. D'accord. C'est bien. Félicitations. Merci. Vous pouvez continuer pour la présentation. Voilà. Donc, ici, j'étais à la dernière page pour dire voilà, que merci. On vous remercie de votre aimable attention et vraiment de nous avoir permis de partager avec la communauté postal international, donc l'expérience sénégalaise en matière d'utilisation du domaine point post. S'il y a des questions, évidemment, s'il y a des questions, on est toujours disponible pour répondre à vos questions.
Sinon, le prochain slide, la prochaine présentation sera faite par mon collègue Hassan Dion, qui est l'administrateur système à la Poste. Donc, je reste ouvert aux questions, bien évidemment. OK. On attend votre collègue. Il va présenter sur le même ordinateur ou il était connecté sur votre ordinateur? Il va présenter dans le même ordinateur. OK. Voilà, sinon, voilà. Bon, je lui laisse la main, je lui laisse la main. Monsieur John, tu peux présenter. Là, j'arrête le partage. Voilà, donc j'arrête le partage pour qu'il puisse partager. Voilà. Si c'est possible, parce qu'on écoute beaucoup de bruit, de bruit dans les derrière, on écoute une porte qui s'ouvre tout le temps. Donc, si vous pouvez seulement regarder que Ouais, d'accord. la porte reste fermée. Exact, d'accord. Exactement ça. Pour toutes les personnes qui sont connectées, si vous avez des questions, vous pouvez écrire sur les chats au question and answer Q&A et le présentateur il va essayer de répondre. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Alassane, on attend de votre côté de partager la prochaine présentation. Allô, Monsieur Alassane? Ah, ok, bien. Parfait. Je partage. Gustavo, there's a question in the chat box, in the Q&A box now, a new Oui, question. je te regarde. Avant de commencer, il y a une question. Monsieur Maison Patrice, il demande, je voudrais savoir de façon pratique quel est l'impact de la mise en place de ces dispositions de sécurité sur les échanges de données avec les clients et comment améliorer les services qui dépendent. Si vous voulez répondre maintenant ou à la fin de la prochaine présentation, vous voudrez. Gustavo, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, reprendre la question? Oui. La demande, la question, c'est si l'impact de la mise en place de cette disposition de DNSSEC, SPF, DKIM, ou les échanges données avec les clients, et comment améliorer les services qui dépendent. Je crois que la question, c'est en direction de quel est l'impact directement, parce que cette mise à disposition, je ne sais pas s'il y a un impact directement, sauf le TLS avec les clients. Ouais. Et je crois qu'on peut en prendre cette question à la fin de le webinaire. Parce que c'est une question très, très ouverte, je crois, pour répondre de manière rapide.
Donc, j'ai recommandé de continuer et continuer pour la prochaine présentation. Ok, donc vous avez vu l'écran, vous voyez l'écran? Oui, donc, oui, oui. Parfait. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, voilà, c'est Hassan Dion de la Poste du Sénégal, responsable des systèmes informatiques au niveau de la Poste. Donc, je vais essayer de vous faire une présentation sur les résultats positifs par rapport à l'implémentation du domaine SN.Poste au niveau de la Poste sénégalaise. Donc, parmi... Allô? Allez, oui, pardon. Oui, est-ce que, pardon, est-ce que vous pouvez répéter? Parce que vous m'entendez vous savez, on mute. Oui, continuez s'il vous plaît. Attendez, on est ça, s'il vous plaît. De nouveau la présentation. Ok, c'est bien. C'est parfois c'est... Voilà. Oui. Parfait. Voilà. Voilà, oui, bonjour à tous. Donc, je disais que voilà, je me présente comme étant Hassan Dion. Hassan Dion, responsable système informatique au niveau de la Poste du Sénégal. Donc, je m'en vais vous présenter les résultats positifs par rapport à l'implémentation du domaine SN.Poste au niveau de la Poste sénégalaise. Donc, cette implémentation va concerner la messagerie, l'intranet, les gestionnaires de projets, les boutiques en ligne, entre autres. Donc, cette présentation va se porter sur la sécurité de la messagerie et les fonctionnalités du mail sur le domaine SN.Poste. Donc, la messagerie de SN.Poste. Donc, la messagerie est hébergée dans le domaine SN.Poste, comme l'a dit tantôt mon collègue, et il est accessible dans le réseau interne du réseau des serveurs. Donc, on entend par réseau interne le réseau sécurisé où sont positionnés tous les serveurs critiques de l'entreprise. Le lien d'accès à la messagerie est https://mail.sn.post. Donc, avec une accessibilité possible à partir des ordinateurs et des smartphones, ce qui offre une mobilité des utilisateurs. Donc, l'authentification est basée sur les utilisateurs de l'Active Directory qu'on va essayer de développer dans la présentation. Donc, comme architecture de la messagerie, là, on identifie trois zones réseau séparées par des firewalls. La zone Internet qui est le réseau public, le réseau périmétrique où sont positionnés les passerelles de sécurité et enfin le réseau interne ou bien le réseau des serveurs. Donc au niveau de la zone ou bien du réseau Internet,
On a les équipements comme par exemple les outils échange de protection online et les serveurs externes SMTP. Donc, comme serveur externe SMTP, on peut citer comme par exemple les serveurs Gmail, les serveurs Hotmail, les serveurs Yahoo, etc., qui sont les serveurs de messagerie qui se trouvent sur Internet, qui doivent échanger avec le serveur de messagerie mail.sn.post. Et les utilisateurs qui sont sur Internet, qui doivent accéder à la messagerie à partir d'Internet avec des terminaux mobiles ou bien des clients web avec leurs ordinateurs, etc. Donc, au niveau du réseau périphérique, on a les passerelles de sécurité, comme par exemple KMS, dont Moussa, mon collègue, avait fait le développement, qui permettent de faire le filtrage ou bien l'interfaçage, ou bien voilà, qui est l'interface directe entre le réseau Internet et le réseau des serveurs. Donc, c'est un outil de sécurité qui permet de faire le filtrage des mails entrant et sortant. Donc, enfin, il y a le réseau interne ou bien le réseau des serveurs où sont positionnés le serveur de messagerie. Le serveur de messagerie avec différentes bases de données regroupées sous forme de DAG, Database Available Group, des DAG qui sont des genres d'espace de stockage virtuel qui agrègent les bases de données des différents serveurs de messagerie avec un load balancer qui permet d'aiguiller les messages dans ces bases de données-là de messagerie. Il y a le serveur Active Directory qui permet de faire l'authentification des utilisateurs. Il y a aussi le serveur d'application Outlook qui est un outil qui permet aux utilisateurs d'accéder au serveur de messagerie qui a donc des clients de messagerie. Il y a aussi des serveurs Office Online qui sont des serveurs qui peuvent être interfacés avec l'intranet à la messagerie pour faciliter l'utilisation, comme par exemple des fichiers comme Word, Excel, etc. Donc, côté sécurité, on a l'AD au niveau de la messagerie. L'AD qui permet de centraliser et de configurer les ordinateurs et les utilisateurs. Les utilisateurs qui peuvent être organisés sous forme de groupe avec des autorisations spécifiques à ce groupe-là. Et des GPO, des groupes policiers qui peuvent être configurés afin de définir les droits d'accès par rapport aux ressources. Il y a aussi les OU, unités d'organisation, qui nous permettent d'organiser ces utilisateurs. Comme par exemple, on remarque au niveau de l'AD, la direction des mandats de transfert qui est une direction au niveau de la poste. Donc, les unités d'organisation permettent entre autres de retracer l'organigramme au niveau de la poste et d'y mettre chaque utilisateur dans son lieu d'affectation ou sa direction d'affectation. Donc là, on a les détails par rapport à un utilisateur Active Directory. Donc, chaque utilisateur possède un login et un mot de passe avec les détails qu'on peut mettre sur l'utilisateur pour permettre de mieux le situer, comme par exemple sa fonction, ses services d'affectation, son suspect hiérarchique, son adresse mail, etc. Donc, ces informations-là vont être capitales au niveau de l'utilisation de la messagerie. Donc, toujours côté sécurité, comme le disait tantôt mon prédécesseur, mon collègue, voilà, il y a le certificat SSL, comme Secure Second Line, qui est un outil qui permet de crypter les échanges entre le client et le serveur. Donc, le certificat SSL que l'on utilise au niveau de la messagerie est de type wildcard.
donc qui permet de protéger tout le domaine SN.FOSS et qu'il est délivré par une autorité de certification reconnue, dont le GoDaddy Secure. Donc, ce qui fournit voilà, des informations très, très sécurisées au niveau de l'Internet. Donc, en plus du certificat de sécurité, il y a des protocoles comme STF, DKIM et DMARC, qui sont utilisés au niveau de la messagerie pour permettre voilà, le STF, qui est un protocole comme Sender Policy Framework, qui permet de définir les adresses IP qui sont autorisées à envoyer des mails avec le domaine .post. Le DKIM, Domain Key Identifier Mail, qui permet de signer la zone de message, la zone DNS SN.POST, et le DMARC qui agit en cas en cas de la vérification de la bonne marche de SPF ou DKIM avec des politiques et des politiques de quarantaine, d'acceptation ou de rejet du mail côté client. Donc, en plus du DKIM, SPF, en plus aussi du certificat SSL, on a mis en place une passerelle de sécurité. Une passerelle de sécurité dans le Kaspersky Mail Server, qui est l'interface entre les serveurs de messagerie externe et notre serveur de messagerie. Donc, tous les mails envoyés par notre serveur de messagerie vers les autres serveurs, ou bien tous les mails venant des autres serveurs vers notre serveur de messagerie, sont scannés, voilà, sont scannés avec le Kaspersky Mail Server. Donc, dans ce schéma, on montre des statistiques par rapport voilà, au scan des messageries avec voilà, le nombre de courriers indésirables, les courriers qui sont bien portants, les courriers qui sont infectés, etc. Donc, ce Kaspersky Mail Server permet de détecter des documents malveillants, permet aussi de détecter des programmes potentiellement dangereux, permet aussi de protéger contre les ransomware, les phishing et les spams. Donc, toujours dans la messagerie, là, on essaie d'expliquer le fonctionnement de la messagerie avec le console d'administration qui permet de faire toutes les configurations, à savoir la création ou la suppression des boîtes à lettres, la création de groupes mail, la création de contacts, la création des flux de messagerie, la configuration des connecteurs d'envoi, des connecteurs de réception, la configuration des serveurs par rapport à les serveurs qui sont autorisés à envoyer des mails, etc. Donc, le console d'administration est l'élément central qui permet de centraliser toutes les configurations qu'on doit faire au niveau de la messagerie. Donc, côté fonctionnalité aussi, on a le client de messagerie, le client qui est utilisable à partir d'Internet ou bien à partir du réseau local. Donc, sur ce client-là, on a, pour accéder à ce client, avec ce client, on utilise les comptes AD qu'on avait définis tantôt à partir de tous les terminaux, ce qui assure une certaine mobilité. Donc là, on montre l'accès à une boîte mail, qui présente voilà, la boîte de réception avec les différents mails qui sont reçus. On a aussi éventuellement les agendas de l'utilisateur qui permet voilà, d'avoir un tableau de bord par rapport par rapport aux rendez-vous, par rapport aux réunions qui sont programmées au niveau du service, etc. Les contacts qui permettent voilà, à l'utilisateur d'avoir les personnes avec qui il a l'habitude d'échanger des mails. Et là, avec ces contacts-là, ça nous permet de centraliser tous ces contacts. Donc, en conclusion, par rapport à la messagerie, par rapport à l'implémentation
SN.POST. On peut dire que l'utilisation du domaine SN.POST nous a permis de renforcer la sécurité de la messagerie. Bon, sur ce point-là, c'est vrai qu'on utilisait la messagerie, le domaine lapost.sn, qui ne présentait pas de DNSSEC, qui ne présentait pas aussi voilà, le DMARC, DKIM, etc. Qui utilisait voilà, les certificats SSL. Mais avec l'utilisation du domaine SN.POST, on a pu renforcer la sécurité au niveau de la messagerie avec l'utilisation de ces protocoles-là. Donc l'utilisation aussi du domaine SN.POST nous permet d'avoir un domaine identique pour toutes les administrations postales. Donc ce qui permet d'harmoniser voilà, l'utilisation du domaine SN.POST dans toutes les administrations postales. Et enfin, permet aux agents, bon là c'est une coquise, voilà, aux agents, les agents au pluriel, de la poste sénégalaise de se familiariser avec ce nouveau domaine et le concept .POST. Donc ce sont les quelques points sur lesquels je voudrais partager avec vous sur cette présentation. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On a une question de part de Dominique Collin qui demande si vous savez stocker les informations de votre courrier électronique sur AWS, Azure ou quelques autres systèmes de cloud. Ou dans quel pays, ou si c'est dans l'Afrique ou en Suisse, est-ce que vous pouvez donner plus d'informations de ça? Voilà, c'est vrai que j'avais omis cette question-là. Voilà, en fait, nous avons notre propre data center avec nos serveurs, voilà, notre propre infrastructure, avec nos propres systèmes de sauvegarde. Avec voilà, un site de réplication au niveau de notre local, voilà, afin de sécuriser les données. Donc, voilà, par rapport à ce point-là, c'est nous qui gérons les serveurs en local ici. OK. Monsieur Stevie Vivian Sika. Si vous voudrez prendre la parole ou écrire sur le chat votre question. Aussi, il y a autre question qui s'était posée, de demander si vous pouvez donner information pour l'écoute que cette la comparaison d'utiliser les domaines .post ou autres domaines. Je crois que vous pouvez remplir la réponse, mais je crois que pour le moment, ce n'est pas possible de comparer parce que tout le travail s'est fait vous-même avec coopération avec le centre de technologie postale. Mais parce qu'il n'y a pas une solution UPU comme ça, pour le moment. Pour le moment, on a la police de DMARC, SPF, DKIM. Mais les software que vous utilisez pour votre messagerie, ce n'est pas une solution UPU. Correct? Ce n'est pas une solution? Ce n'est pas une solution UPU. Non. En fait, c'est une solution propriétaire. Voilà, par rapport à Qaspace Email Server, voilà, qui est une solution qui nécessite une licence. Exactement. Ouais. Et aussi, voilà, le certificat de sécurité aussi est fourni par une autorité de certificat qui est reconnue, à savoir le GoDaddy. Exactement. C'est le OPU, c'est le fournisseur de DNS qui vous donne la possibilité de d'avoir ce niveau additionnel de sécurité avec DNSSEC et les autres policiers pour les courriers électroniques. Donc, je n'ai vu pas plus de questions.
Il n'y a pas de demande de la parole. Et est-ce qu'il y a une troisième présentation aujourd'hui, je crois, ou non? Oui, je pense qu'il y a, d'autres présentations qu'on va faire, notamment la présentation de l'intranet et la présentation du gestionnaire de projet. OK. Donc, des présentations voilà, qui seront un peu rapides. Et après, je vais laisser la main à mon collègue qui va faire la présentation de la boutique en ligne. Parfait. Je partage une autre présentation. Donc, seulement je veux ajouter pour la réponse que vous avez donnée sur AWS, c'est sûr que avec Prompo, ce n'est pas nécessaire d'avoir une solution avec AWS ou Azure. Vous pouvez vous-même avoir un système de cloud, d'hébergement dans votre côté, et c'est libre. Je sais que les solutions d'AWS Azure sont les plus connues, mais ce n'est pas l'unique option pour travailler avec les domaines point poste. Oui, on peut regarder maintenant. Voilà. Donc, voilà, toujours dans la même logique des résultats positifs par rapport à l'implémentation du domaine SN.POS. Voilà, nous avons également implémenté ou bien configuré d'autres services comme l'intranet que je vais essayer de vous présenter. Donc, je rappelle que c'est toujours Hassan John de la Poste du Sénégal, chef de département système. Voilà, donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter l'intranet et les fonctionnalités sur le domaine SN.POS. Donc, je rappelle que voilà, cette présentation ne va pas entrer en détail dans les éléments de sécurité comme je l'avais fait dans la présentation de la messagerie. Voilà, en bref, l'intranet fait partie aussi des services qui sont hébergés dans le domaine SN.POS et il est accessible dans le réseau interne des serveurs. Donc, il est positionné dans le réseau des serveurs de la Poste. Et le lien d'accès est le https://srvshpapp.sn.post.8081. Donc, il est accessible aussi avec les ordinateurs et les smartphones, que ce qui fournit ou bien nous donne une certaine mobilité aux utilisateurs. L'authentification utilisée est toujours l'Active Directory qu'on avait développé sur la messagerie. Et le certificat, c'est le même certificat qu'on utilise, comme c'est un certificat wildcard qui couvre le domaine SN.POS. Donc, c'est le même certificat qui est utilisé dans tous les services qui utilisent le domaine .POS. Donc, c'est un certificat qui est délivré par GoDaddy Secure, donc qui est une autorité de certification reconnue. Donc, pour rappel, l'intranet est utilisé par la Poste pour publier et stocker les informations utiles aux employés
pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. Les avantages de l'intranet sont entre autres l'engagement et l'implication des agents ou collaborateurs, le partage d'avis et d'opinions avec les blogs, etc. Permettent aussi la mobilité du personnel, c'est-à-dire d'accéder aux informations un peu partout au niveau mondial et de stocker en ligne avec le OneDrive de l'entreprise que l'on va présenter, que l'on va détailler dans cette présentation, et une source de connaissances avec les bases de connaissances qui sont définies dans l'intranet. Donc, l'accueil de l'intranet de la Poste se présente comme suit, avec à gauche les menus comme à gauche du menu, l'accueil, le bloc, la Poste, le calendrier, le document, les formes de la Poste, la liste des personnels, des tâches, et dans la barre supérieure, on a l'intranet, la Poste, le bloc de la Poste, les messageries que l'on a défini tantôt, et le gestionnaire de projet qu'on va définir dans les slides à venir. Donc, au niveau de l'accueil, on peut voir que voilà, il y a des informations importantes qui sont présentées, comme par exemple l'historique de la Poste, les missions de la Poste, l'organisation de la Poste, et un lien sur le site de l'Union Postale Universelle qui permet aux utilisateurs ou bien aux agents de la Poste d'avoir plus d'informations sur l'UPU. Donc, si on focus sur le bloc de la Poste, le bloc de la Poste permet de faire des publications périodiques, succinctes, régulières des articles sur la Poste. Il permet aussi de présenter des actualités par thème particulier. Là, sur la présentation, on voit des catégories de thèmes, comme par exemple les événements, les idées, les avis, etc., qui sont des thèmes ou bien des catégories sur lesquelles on peut faire des publications afin de susciter le débat au niveau de l'entreprise. Donc, si on regarde le détail sur la catégorie avis, on a des biais qui sont postés par le webmaster, l'administrateur du site ou bien l'administrateur du blog de la Poste. Là, on a deux biais qui sont présentés, comme par exemple l'historique de la Poste et comment se fixer des objectifs et réussir à les atteindre. Donc, ces biais sont présentés ou bien sont postés par l'administrateur du site. Et là, on voit les détails sur le nom de l'administrateur qui a posté le biais. On a aussi la date de publication de ces biais et aussi les avis, les commentaires que l'on peut avoir sur ce biais-là venant des différents utilisateurs. Donc, toujours dans l'intranet, on a aussi le calendrier qui permet de planifier les événements, des réunions, des rendez-vous, etc., de publier les échéances de l'entreprise, de visualiser les éléments à l'aide d'un aperçu ou intégré avec le calendrier complet, et de rester en phase avec l'entreprise. C'est-à-dire que toutes les dates importantes de l'entreprise sont consignées dans le calendrier et permettent aux différents utilisateurs d'être au même niveau d'information. Ce calendrier aussi peut être utilisé à titre personnel, pour convier des réunions à un agent, ou bien le chef de service aussi peut utiliser ce calendrier pour convier ses agents à des réunions, ou bien partager certaines informations. Donc, en plus du calendrier, on a le communiqué de la Poste, qui permet aux utilisateurs ou bien aux agents d'être au même niveau d'information et à temps réel. Donc, ces communiqués-là sont organisés par type
avec par exemple les types BO, bulletin officiel, ou bien les bulletins d'information, les notes de service, les notes circulaires, etc. Donc au niveau de cette interface, on a les types, la date de modification, l'état d'approbation. L'état d'approbation qui permet à l'administrateur ou bien le responsable de communiquer, d'approuver les communiqués qui sont soumis par les différentes personnes qui sont autorisées à poster des communiqués. Donc là, il y a la liste du personnel. La liste du personnel qui permet, qui facilite la gestion du personnel par les services RH avec une simplicité de filtrage et d'affichage des agents par service, par sexe, par catégorie, etc. Donc là, on a une présentation par service qui est affichée sur cet écran. On a aussi au niveau de l'intranet la gestion électronique des documents, qui est un outil qui permet de gérer les documents de l'entreprise. Par exemple, ici, on a le secrétariat de la DSI. La DSI, qui est la direction des systèmes d'information. Donc là, on a essayé on numérise tous les documents qui sont envoyés, qui viennent ou qui partent au niveau du secrétariat de la DSI. Ceci nous permet de faire un classement de ces documents et de faciliter les recherches en cas de besoin. Donc, en plus de ces classements au niveau du secrétariat, on prévoit aussi de mettre en place une bibliothèque électronique au niveau de la poste qui permettra de centraliser tous les documents importants de l'entreprise au niveau de cet outil-là. Donc là, il y a les tâches. Là, les tâches qui permet qui sont créées par qui sont créées, partagées et affectées à des agents. Donc, il permet aussi de simplifier l'organisation, l'attribution et la hiérarchisation des tâches avec des diagrammes de Gantt qui permettent d'avoir une vue sur la progression de ces tâches. Donc là, on a en résumé le nom des tâches, les échéances par rapport à ces tâches, les personnes ou bien la personne à qui on a assigné la tâche, l'état de progression de la tâche et la personne qui a créé la tâche. En dernier lieu, on a le OneDrive de l'entreprise qui est un cloud privé de l'entreprise qui permet à tout utilisateur de disposer de ses propres documents dans un espace privé. Donc, il permet également aussi à tout utilisateur aussi d'avoir son propre blog et à partir de ce blog de faire des posts, de partager des informations ou bien de poster des thèmes sur lesquels voilà, les autres peuvent débattre. Donc, comme détail par rapport à l'utilisation du OneDrive, on a les documents qui sont personnels à un utilisateur. Donc, cet utilisateur-là a la possibilité soit de partager pour lui seulement ou bien de partager avec les autres, avec d'autres personnes, ces documents à son OneDrive. Donc, ce sont de façon ramassée, c'était la présentation de l'intranet de la Poste. Donc, merci de votre attention. Nous sommes à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup.
Pour le moment, on n'a pas de questions. On a des félicitations de la part des postes de Djibouti sous votre présentation. Et comme on avait dit avant, on va partager après les webinaires les différentes présentations. On a seulement 10 minutes avant de finaliser le webinaire. Notre collègue Kebakor, tu peux partager ton écran, s'il te plaît. Kebakor, tu peux partager son écran. Voilà, pour présenter la dernière partie dans 10 minutes très rapidement. Bonjour à tout le monde. C'est bon pour le partage, vous voyez mon écran? Pas encore. Monsieur Keva, on attend que vous partagez votre écran. Sinon, vous pouvez envoyer par email à Monsieur Lassane. Il peut partager pour vous. Je vais essayer de partager. Oui, si vous avez une copie, oui. Là, c'est ça. Oui, parfait. Monsieur Kor, vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Et partager pour vous. Il faut revenir jusqu'au début. Tout à fait au début. OK. Vous pouvez commencer. Bonjour à tout le monde. C'est Keva Kor, département génie logiciel. Bon, je suis là pour vous faire la présentation de notre boutique en ligne, qui est une plateforme e-commerce adossée sur le domaine Point Poste. C'est le Jotnasi, on l'a appelé Jotnasi, qui est un nom sénégalais. Ce Jotnasi, ça signifie je l'ai reçu. Maintenant, pour la plateforme, bon, diapo suivant. Suivant. OK. Voilà. L'essentiel de ma présentation s'articulera sur trois profils au niveau des sites, le client, en ce qui concerne le client. Il y aura aussi le commerçant et le gestionnaire du site. En ce qui concerne le client, sur la plateforme e-commerce, il peut, dans un premier temps, s'inscrire. Il doit dans un premier temps s'inscrire. Ensuite, il peut passer des commandes au niveau du site qui est en ligne. Il peut acheter des produits sur le site. Il peut aussi visualiser le rapport des commandes effectuées au niveau de du site. Suivant.
Bon, là, nous avons la page d'accueil du site. Bon, il y a l'image qui ne s'affiche pas. Je crois que les images ne sont pas dans la présentation. Donc, on va partager ça. De toute façon, l'image, je n'arrive pas à le présenter là, à le voir. Donc, je vous ai envoyé l'autre fichier. Je pense que ça devrait suffire. Par mail. Monsieur Sane, je vous ai envoyé le fichier. Voilà, je pense que c'est le bon fichier. Donc, reviens sur le plan, s'il vous plaît. Alors, voilà. Là, comme je le disais tantôt, bon, là c'est la page d'accueil du site. Maintenant, là, à partir de là, le client doit, dans un premier temps, s'inscrire. Pour ce faire, il va cliquer sur « Connexion ». Ensuite, il y a la diapositive suivante qui va s'afficher. La page où il, tout à fait à droite, il pourra cliquer sur « Créer un compte ». Maintenant, il remplit les informations obligatoires, telles que le prénom, le nom. Ensuite, il valide. Une fois le compte créé, le client pourra, à partir de ce compte-là, suivre ses commandes et faire des achats. Maintenant, pour faire une commande, il va sur le site, il verra l'ensemble des produits qui sont disponibles au niveau du site et il pourra, au choix, choisir un produit pour l'ajouter au panier et effectuer une commande. Maintenant, pour faire une commande, il peut préciser, par exemple, l'adresse de livraison de son produit. Bon, pour cette adresse de livraison, dans un premier temps, le site va afficher l'adresse que le client avait fournie en créant son compte. Nous y avons ajouté le fait que le client peut ajouter une autre adresse de livraison. Pour cela, on s'est basé sur les bureaux de poste qui sont un peu partout dans le territoire national. Maintenant, il pourra choisir comme adresse de livraison un bureau de poste donné. Comme ça, son produit sera envoyé vers ce bureau. C'est ce qu'on appelle les bureaux relais pour la livraison. Suivant. Maintenant, en cliquant sur le bouton connexion, il peut afficher aussi le rapport des commandes effectuées au niveau du site. Comme ça, il pourra suivre l'ensemble des commandes effectuées au niveau de la plateforme. Suivant. Là, c'est une vue sur l'adresse de livraison que le client avait choisi. C'est un résumé. Suivant. Maintenant, s'il valide la commande, après avoir rempli toutes les informations, il peut à nouveau passer d'autres commandes et continuer son achat. Suivant. Une fois la commande effectuée, il peut aussi visualiser une facture de la commande effectuée qui résume l'ensemble des informations qu'il a eu à saisir au niveau de la plateforme. Et cette facture est envoyée automatiquement dans son adresse email qu'il avait configurée dans son compte. Ça, c'est le résumé de la facture. Avec les différentes informations, comme je le disais tantôt, et qui est envoyé en mail, par mail, au niveau de son compte.
Suivant. Là, c'est le rapport de toutes les commandes effectuées par le client. Et il a une vue sur l'ensemble des statuts, si la commande a été satisfaite ou bien si le produit est arrivé dans le bureau de livraison, etc., pour pouvoir suivre ses commandes. Suivant. Bon, là, c'est une vue pour le vendeur. Le vendeur aussi, comme le client, il doit s'inscrire dans la plateforme. Ensuite, il peut ajouter des produits au niveau de son compte. Il peut faire des demandes de retrait en cas de besoin de retirer le solde de son compte. S'il a besoin de liquide, il peut faire une demande de retrait. Il peut aussi visualiser le rapport des commandes de ses produits effectués. Suivant. Maintenant, pour s'inscrire, le vendeur, il peut tout à fait en haut sur le site cliquer sur devenir vendeur. Et il est redirigé sur un formulaire pour remplir les informations nécessaires. Maintenant, pour s'inscrire, il y a 4 étapes qu'il doit remplir. Dans un premier temps, il doit mettre son prénom et son nom, ses informations personnelles. Suivant. Ensuite, il va mettre les informations générales, telles que le nom de sa boutique, qui est un champ unique au niveau de la plateforme, et le nom complet, bon, une description de la boutique, la ville, et ainsi de suite, l'adresse de son magasin ou bien de sa boutique, son numéro de téléphone, et ainsi de suite. Maintenant, il passe à l'étape 3. Là, il peut mettre les pièces justificatives qui sont paramétrables. Pour l'instant, nous avons paramétré le NINEA, il y a le registre de commerce, le numéro de pièce d'identité. Tout ça, c'est paramétrable au niveau du site, tel que défini par la direction de contrôle des courriers et de la production. Ils ont demandé de mettre ces différents champs-là qui sont obligatoires pour le e-commerçant. Qui doit mettre ces informations. Suivant. Suivant, diapositive 20. Oui. Maintenant, la dernière étape, c'est de valider les informations. OK. Maintenant, une fois les informations saisies, le e-commerçant a une vue globale sur son compte avec le solde disponible, les ventes depuis le début de mois, la moyenne des commandes, le nombre d'articles de son compte. Là, c'est le solde qu'il pourra retirer en rouge. Suivant. Et il peut tirer aussi le rapport des commandes effectuées, comme je l'ai dit tout à fait au début. Suivant, il peut ajouter des produits au niveau de son compte. Dès qu'il ajoute un produit, il va falloir que l'administrateur du site valide ce produit pour que ce soit visible au niveau du site, pour des soucis de contrôle, pour que les e-commerçants ne mettent pas certains produits qui sont interdits ou bien de mettre des informations qui ne sont pas bien paramétrées. Maintenant, pour l'ajout des produits, bon, ça, il clique sur Management Product. Ensuite, il ajoute les produits. Il a la possibilité aussi de choisir un produit qui existait dans le site au lieu de saisir le produit détail par détail et de choisir directement un produit qui était sur le site et de le mettre dans son stock avec les paramétrages par défaut. C'est bon, suivant. Ensuite, toujours dans l'ajout des produits, c'est le détail qui est expliqué, qui est spécifié ici. Si on veut saisir le produit avec toutes les informations, ça c'est un nouveau produit qu'on ajoute au niveau de la plateforme qui n'a jamais été saisi et qui doit être approuvé par l'administrateur. Suivant. Maintenant, il peut faire une demande de retrait, comme je l'ai dit au début, pour pouvoir disposer de son solde. Maintenant, pour le e-commerçant, s'il crée un compte à la poste, on lui crée un compte CCP, un compte courant postal,
Là, c'est là où on va déposer son dû. Comme ça, il pourra le retirer auprès des bureaux de poste. Suivant. C'est bon pour le demandeur de retrait. On passe au compte vendeur, au compte, le gestionnaire de compte, le gestionnaire du site. Voilà. Le gestionnaire du site, en quelque sorte, c'est l'administrateur du site. C'est à lui, par exemple, d'approuver les comptes qui sont créés au niveau du site. Il doit aussi approuver les produits. Il doit approuver les demandes de retrait aussi qui sont effectuées au niveau du site. Il peut faire l'expédition des factures des clients. Il peut faire des ventes, la vente. Il est en quelque sorte celui qui contrôle tout ce qui est vente au niveau du site. Il peut approuver les demandes de crédit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il peut aussi faire des promotions du point de vue marketing. Il peut faire des communiqués sur le site. Il peut aussi gérer le contenu du site, paramétrage, administration, en quelque sorte. C'est lui le responsable du site. Et pour cette plateforme aussi, on peut avoir plusieurs administrateurs qui vont suivre toutes les commandes qui sont effectuées au niveau du site. C'est bon? Tu vois? Bon, ça, c'est la page d'authentification pour l'administrateur qui est différent de celui du client et du vendeur. Tu vois? Bon, il a une vue globale de toutes les commandes effectuées au niveau du site, les commandes qui sont en instance de livraison, ainsi de suite. Suivant. Comme je l'ai dit tantôt, il approuve tout produit créé au niveau du site doit être approuvé par l'administrateur dans un premier temps pour des soucis de contrôle et de vérification. Voilà. Suivant. Suivant. Voilà. Il doit aussi approuver les retraits, comme je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur, si vous pouvez. Ah, OK. Oui, il y a une question. Oui, il y a une question de M. Stevie Vivian. Si vous mettez en relation les vendeurs et les clients, je crois que oui, vous pouvez répondre. Je crois qu'il parle sous relation de la vente des produits, mais je ne suis pas sûr. La question, c'est quoi? La relation entre les vendeurs et les clients sous votre solution, sous la boutique, je pense. La relation entre le client et le vendeur. Oui. Bon, le client, dès qu'il entre sur le site, il achète les produits des vendeurs. Le vendeur, lui, il expose ses produits au niveau de la plateforme. Maintenant, c'est au client. Allô? Ils vont exposer leurs produits au niveau des bureaux de poste. Bon, est-ce que tu peux reprendre là? Tu t'es déconnecté un instant, s'il te plaît. Ça, c'est le réseau. Hein? Je m'excuse. Hein? Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Oui, je disais que le vendeur, bon, au niveau de la poste, l'organisation qui est mise en place, c'est que les e-commerçants vont exposer leurs produits au niveau de la plateforme. Dès qu'un client fait une commande au niveau de la plateforme, le e-commerçant qui dispose du produit va prendre ces produits-là, les mettre dans un bureau de poste. Chaque e-commerçant est rattaché à un bureau de poste. Ce qui veut dire que, bon, il n'y a pas une relation directe entre le e-commerçant et le client. Du point de vue physique, quoi. Mais les produits sont gérés au niveau du site, de sorte que c'est la poste qui s'assure de la livraison des produits auprès du client. OK. Voilà. Oui, je crois que c'est clair la réponse. Et nous sommes déjà un peu. On doit finir. Bientôt, et vous pouvez donner des conclusions parce qu'on a plus de questions.
avant de finir? Bon, en ce qui concerne la boutique en ligne, je pense que bon, le domaine Point Post nous a permis, par exemple, de se familiariser avec, bon, d'uniformiser nos plateformes et de développer une boutique en ligne carrément avec l'extension SN Point Post. Parfait. Merci pour nous avoir donné l'opportunité de présenter nos solutions. Non, merci à vous, merci M. Alassane, M. Keba et Moussa. Et on a bien plein de questions et je vous remercie si vous pouvez partager après la présentation avec mes collègues, vous partager avec tous les personnes qui sont ici aujourd'hui. D'accord. Et je vous remercie pour votre assistante virtuelle. Merci. Et seulement une chose, pour demain, et je crois, je ne sais pas si vous avez déjà l'information, donc la manière qui est possible, si, parce que demain, en principe, la présentation sera la même, mais on veut qu'il soit possible que vous parliez de manière plus détaillée de la partie technique, mais je ne sais pas si c'est déjà prévu de votre côté ça, ou vous irez présenter les mêmes exactement, ou cette information, je ne sais pas si c'est déjà partagé des messages avec vous. Oui, c'est déjà partagé. C'est ça qui est prévu pour demain, Inch'Allah. Donc, pour les phases d'implémentation. Donc, parfait. Pour les phases d'implémentation de manière beaucoup plus, beaucoup plus détaillée. OK. Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et merci beaucoup. Si c'est possible de connecter aussi un peu avant. L'heure, 10 minutes avant, pour vérifier, bien sûr, que vous pouvez partager tout. Et le son est prêt. Ah, c'est bon, Inch'Allah. Donc, nous avons déjà partagé les présentations avec Sabra, Maïssa. OK, oui mais elle est malade, malheureusement. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Donc, si vous pouvez partager avec Tracy. Vous, ça voilà. Sera, oui, avec moi ou Tracy. On va le faire. Ok. Donc, on va fermer le webinaire d'aujourd'hui. Et merci à tous de nouveau pour votre assistance. Merci beaucoup. Merci. C'est à nous de vous remercier. Merci. Merci et bonne journée encore. Merci. Bonne journée. Wow, c'était là.